Hello, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule Process Déclic, dans laquelle j'aimerais qu'on parle d'argent, votre rapport à l'argent, mais surtout le rapport que vous avez entre vos besoins, vos désirs et l'argent. Très souvent, il est plus facile pour certains d'entre vous de dépenser l'argent quand il s'agit de vos enfants, de la maison, des biens matériels. Mais quand il s'agit de vous, personnellement, bizarrement, il y a de la difficulté à dépenser votre argent pour vous. Je précise, en termes de bien-être, surtout en France, on a développé des habitudes dans lesquelles on dit il y a la mutuelle qui paye et qui rembourse. Donc on peut entamer des thérapies où on prend soin de soi, donc il s'agit de votre personne. Et on a collectivement, il y a une croyance bien installée que tout ça c'est gratuit, d'accord, que vous êtes remboursé, c'est confortable. Bon, pourquoi pas? Mais il y a quand même quelque chose qui s'interroge et que je vous amène à vous interroger. Qu'est-ce qui fait que quand il s'agit de s'investir pour vous, pour votre personne, pour votre bien-être, pour vous sortir de votre malheur, quel est le prix que vous êtes prêt à investir par amour pour vous? Quel est le prix que vous êtes prêt à investir par amour pour vous? Vous voyez? C'est important à un moment donné de se poser cette question. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi aussi, je suis passée par là. Je suis quelqu'un qui avait, mais parce que c'était ça, énormément de mal à investir de l'argent pour moi. Alors la première fois que j'ai eu une formation, un accompagnement, c'était un programme pour ma personne. Je me rappelle très bien, il y en avait eu pour 12 000 euros. J'ai sauté au plafond. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment cette somme d'argent est possible, en fait? Mais ça a été très significatif de combien je suis prêt à mettre pour moi aussi. Combien moi je vaux à mes yeux, qu'est-ce que je suis prêt à mettre pour moi. Et je pense que la première fois de ma vie que j'ai manifesté un acte d'amour fort pour moi, c'est le jour où j'étais prêt à sortir cette somme d'argent pour ma personne, pour mon bien-être. Parce que j'ai compris qu'investir, là, l'espace où je peux changer les choses est le plus important. Où est-ce que vous devez investir en fait le plus? Dans le matériel, dans un élément à l'extérieur de vous, le matériel, votre confort, les habits et encore. Mais votre bien-être, c'est ça qui va vous permettre d'être heureux. C'est ça qui va vous permettre de transformer votre vie. C'est en changeant votre vibration intérieure que vous allez changer votre réalité de vie. Donc si vous n'investissez pas pour changer votre vibration intérieure, là où vous allez augmenter les chances d'avoir le max de résultats, mais posez-vous la question du coup, mais quelle vie vous avez envie de vivre en fait? Quelle vie vous avez envie de vivre? Combien ça coûte ou combien c'est important et indispensable pour vous de vivre la vie que vous désirez vraiment? D'accord? Et ensuite, c'est... Bien sûr, il y a une mécanique. La vibration de l'insécurité va vous amener, de l'insécurité et du rejet, va vous amener à trouver 10 000 raisons pour ne pas investir pour vous. Mais bien sûr, parce que vous êtes maintenu dans cette boucle où vous allez dire, ah ben non, c'est trop cher, ça ne se fait pas de proposer des tarifs aussi chers pour des consultations, pour des programmes, pour... Ah non, 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 je trouve ça. Puis vous allez, bien sûr, c'est un angle de vue qui va corroborer dans cette boucle de l'insécurité et du rejet dans lequel vous êtes. Parce que vous n'êtes pas prêt à investir pour vous. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit que le plus haut degré de spiritualité, c'était vraiment s'être reconnecté l'argent à soi. Waouh! Vraiment, j'ai pris conscience à ce moment-là que, en effet, dès lors qu'on est prêt à un moment donné à investir tout ce qu'on a
pour soi, pour notre propre bien-être, pour notre intériorité, pour le centre et le cœur de toute chose qui détermine notre vie, là on est prêt à se manifester de l'amour vraiment. Quand il s'agit de payer des vacances, ben, on le fait, on est prêt à ça, on économise. Mais pour vous, personnellement, pour vous, à quel moment vous voulez dire « Ok, pour moi, il n'y a pas de prix ». Vous le dites, mon bonheur n'a pas de prix. Ben faites-le, actez-le. Trouvez si vous avez une thérapeute, vous avez un programme, vous avez quelque chose qui vous parle et que vous savez pertinemment que vous allez obtenir des résultats dans lesquels vous savez que votre vie va se transformer vraiment. Ben ça, c'est un investissement qui vaut la peine de se faire. Ça vaut la peine de faire ça pour vous et par amour pour vous. Vous voyez, par amour pour la vie que vous avez envie de vivre, c'est non négociable. Si votre bonheur est non négociable, ben c'est là que ça passe aussi. C'est là que ça passe aussi. C'est là où vous osez donner de la valeur à votre personne. Vous donnez de la valeur à vos rêves. Vous donnez de la valeur à une nouvelle destinée pour vous. Bien sûr, avant d'investir, ça vous demande de vérifier, de voir la personne qui est en face, l'accompagnateur qui est en face. Est-ce que cet accompagnateur est légitime dans ce qu'il dit? Et le mieux, en tout cas ça c'est moi mon référentiel, c'est pas tellement les diplômes. Moi mon référentiel, et c'est le mien bien sûr, c'est personnel, c'est que je vérifie si la personne, elle applique ses propres processus et si cette personne, elle a transformé sa vie elle-même. Là pour moi la personne est légitime. Elle parle d'un processus qu'elle a appliqué et qui marche. Et c'est l'occurrence. En l'occurrence, moi, je fonctionne comme ça aussi. J'ai un besoin d'authenticité. C'est important pour moi de vous regarder en face à un moment donné, de se dire, ok, mon programme, il coûte tant et je sais pourquoi il coûte ce prix-là. Parce que c'est un processus transformateur qui marche. Parce que je l'ai testé, parce que, voyez-vous, ma vie a changé. Je ne suis pas en train de vous mentir, vous voyez. Voilà. Donc, quel est le rapport que vous avez entre l'argent et votre personne? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et vous savez quoi? La première fois que j'ai osé investir ces 12 000 euros dans cette formation, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à l'intérieur de moi où j'ai ressenti ô combien j'étais capable de m'aimer. Parce qu'à ce moment-là, j'étais capable d'investir sur ma personne. Vous n'êtes pas en train de dépenser votre argent pour un programme, mes amis. Vous êtes en train d'investir sur vous, sur votre bonheur. C'est ça, en fait. Donc, la manière dont vous utilisez l'argent, c'est hyper important que vous puissiez changer votre psychologie par rapport à l'argent, la manière dont vous l'utilisez. Vous n'êtes pas en train de dépenser votre argent, vous êtes en train d'investir sur votre bonheur, sur votre personne. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Votre bonheur importe plus que tout. Votre bien-être importe plus que tout. Votre vibration, prendre soin de votre vibration intérieure, et l'origine est la racine de toute chose de votre vie. Donc si à un moment donné, il y a un endroit où vous avez besoin d'investir, c'est effectivement dans la programmation de votre vibration intérieure. Mais bien sûr, bien sûr. Et si vous trouvez toutes les raisons de ne pas le faire, est-ce que vous voulez bien observer qu'effectivement vous êtes en train de vous rejeter, qu'il y a une mécanique de rejet qui est là? Il y a aussi une mécanique d'insécurité parce que vous vous maintenez dans l'insécurité. Donc je vous souhaite, mes amis, d'avoir vraiment le courage de vous aimer vraiment, de faire le choix de vous aimer vraiment. Et c'est assez intéressant parce que c'est à l'instant où vous êtes capable, vous imprimez dans cette vibration intérieure que vous comptez le plus au monde, que vous ouvrez vraiment cet espace de recevoir.
Oui, vous allez recevoir parce que vous avez appris à vous donner à vous-même à ce moment-là. C'est à ce moment-là, c'est un acte fort dans l'estime de soi, dans l'amour de soi, dans le fait de recevoir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous parlera. C'était un partage spontané sur le rapport l'argent et vous. Qu'en est-il? Voilà. Je reste à votre disposition avec grande joie si vous avez des questions sur ce sujet-là, si vous avez envie de changer votre rapport avec l'argent. Eh bien, le programme Sécurité et Prospérité est à votre disposition. On commence le 15 janvier. Il reste 5 places. Vous avez besoin de plus d'informations sur ce programme. Il est sur mon site internet www.armel-timine.com. Vous pouvez aussi m'appeler directement pour avoir plus d'infos. Je serai ravie de vous renseigner de vive voix. Prenez bien soin de vous, mes amis. Je vous dis à très vite.